C'est notre pote qui nous explique qu'il est licencié. En rentrant dans le détail, on s'aperçoit que cette usine en fait a été rachetée par un fonds d'investissement germano-suisse. 8 mois plus tard, l'entreprise fait faillite, mettant 131 personnes sur le carreau. On veut comprendre, on veut juste comprendre pourquoi un fonds d'investissement allemand et suisse rachetait une entreprise dans les Landes. Du coup, on s'est demandé si c'était un mauvais placement ou s'il y avait quelque chose derrière. Et du coup, l'économie, on est un petit peu comme tout le monde, on ne pipe pas grand-chose. On souhaite en fait déconstruire tout cet appareil pour comprendre ce qui se passe. Et savoir s'il y a un crime, et s'il y a un crime, à qui il profite.